Depuis sa sortie en 2014, la Yamaha MT-07 a trusté sans interruption la première place du marché moto. Tout juste détrônée en 2023, elle reste l'une des machines préférées des permis A2 et des autres grâce à son comportement joueur et ses nombreuses qualités. Issue de la famille MT, signifiant Master of Torque, la MT-07 n'est pas dénuée de charme. Son look hyper naked, aux inspirations très manga, lui donne une personnalité forte. Le design de la MT-07 se caractérise par ses deux prises d'air, ses feux à LED cyclopes encadrés de feux de position anguleux et ses inserts texturés sur le réservoir. La boucle arrière est très fine, l'échappement est court, la selle en deux parties laisse peu de place aux passagers. Bref, la MT-07 est clairement une moto d'égoïste. La finition générale est de très bonne facture, avec des traitements de surface métallique de qualité et des plastiques qui donnent confiance. Roadster dépouillé oblige, la MT-07 n'est pas très généreuse niveau équipement. Son meilleur atout reste son écran TFT couleur 5 pouces apparu sur le millésime 2023. Cet élément moderne offre deux thèmes différents, street ou touring. Il est compatible avec l'application gratuite MyRide pour se connecter en Bluetooth avec le téléphone. Il est également possible d'avoir accès à différents paramètres des parcours empruntés ou du style de conduite. Une fonction spécifique permet aussi d'être alerté d'un problème particulier sur la moto. Là où la MT-07 frappe vraiment fort, c'est sur son aspect personnalisation grâce à une liste d'accessoires spectaculaires. En scrollant sur le site du constructeur, les références donnent le tournis. Bagagerie, échappement, feu, chargeur USB, levier taillé dans la masse, bulle courte, selle confort, amortisseur, poignée chauffante et tant d'autres produits de personnalisation. Il est possible de se faire une MT-07 entièrement à la carte et c'est aussi l'une des grandes forces de cette machine. Niveau motorisation, la MT-07 est propulsée par un bicylindre à refroidissement liquide de 689 cm3. Il développe une puissance maxi de 73,4 chevaux à 8750 tours minute et sa version A2 est légalement limitée à 47 chevaux. Le moteur est très vif si l'envie de jouer vous prend, mais il se montre également très souple en évolution lente. La sonorité est assez discrète, aussi bien au ralenti que lors des phases d'action. Le freinage est confié à deux disques avant puissants, ça freine fort, mais la progressivité reste excellente, tout comme le contrôle au levier. L'ABS veille au grain sans être trop intrusif. Les roues de 17 pouces sont chaussées de pneumatiques Michelin Road 5 qui donnent de bonnes remontées d'informations aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Ultra accessible avec son poids de 184 kg tout plein fait et sa hauteur de selle de 805 mm, la MT-07 offre un confort très correct pour la catégorie. La position de conduite est naturelle avec les bras légèrement écartés. En ville, la Yamaha se faufile partout grâce à son incroyable compacité et son excellent rayon de braquage. Sur route, malgré une absence totale de protection, la tenue de cap est sans reproche et les changements d'angle s'opèrent sans effort. Sur les freinages appuyés, la fourche a tendance à plonger mais elle reste globalement très rigoureuse. Attention sur bitume gras ou humide lors des relances ou accélérations car la MT-07 est dépourvue d'anti-patinage. Au chapitre consommation, en utilisation mixte, il est difficile de descendre sous la barre des 5 litres aux 100 km pour environ 200 km d'autonomie. Finalement, la MT-07 s'adresse autant aux jeunes permis qu'aux pilotes expérimentés. Excellente urbaine, elle se montre tout aussi convaincante pour se faire plaisir sur route grâce à un moteur puncher et une partie cycle évidente. Cette moto d'égoïste sans chichi, car dénuée d'assistance, donne immédiatement le sourire et dispose d'un bon rapport qualité-prix. Les nombreux accessoires en option offrent en plus la possibilité de se concocter une MT-07 à la carte.